C'est génial ce truc, non mais regarde un peu ça. Qui irait se foutre là-dedans? Sérieux, c'est un téléphone. Sorry, mate. Bah, ça date d'avant les portables, je trouvais ça plutôt cool. Eh, c'est quoi ça? On dirait un genre d'avion. Ça ressemble pas vraiment à un avion. Non, vas-y, vas-y, continue de filmer. Ah ouais, le truc palpitant, laisse tomber. Oh putain! Oh! Oh! Eh, un peu gaffe, merde, attention, attention! Cours, cours! Eh, hey, stop! Incubus! Incubus! Eh! Hey, ah hey, est-ce que ça va? Putain, regarde ça! Putain, merde, merde! Arrête, arrête de filmer là! Merde, t'as vu ça? T'as vu ça? Merde! Oh putain, putain, c'est pas vrai! T'as vu ça, quoi, je te dis? Merde, merde, merde! Allez, viens! Par là, par là! Oh merde, t'as vu ce mec? Il a la gueule en sang! Arrête de filmer! Mais arrête de filmer! Lâchez-moi! Lâchez-moi, putain! Attention! Cours! Cours! Vais-toi! Oh merde! 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 Ça va? Allez vieux, relève-toi! J'ai besoin d'aide! Aidez-moi! Collision de satellite. C'est la version officielle. Oui, mais c'est pas un engin nucléaire. Ça colle pas, les dégâts sont pas assez importants. Et pourtant si. Heureusement, grâce au bouclier antimissile, on est parvenu à détruire l'ogive. On a un vrai bouclier? Je croyais que c'était bidon. C'est ce qu'on appelle de la désinformation. Bref, parlons de l'objectif qui vous concerne. Le site de lancement. Laissez-moi deviner. Les Russes affirment qu'ils sont blancs comme neige? Quoi? Pile à l'heure. La ramène pas. Les premières infos sur le lancement émanaient de Moscou. Ils sont aussi sur Prekno. Sûrement un détournement terroriste. C'est peut-être celui que vous pistiez il y a quelques mois. Mais pour l'instant, Londres est visée. Et quelqu'un a des comptes à nous rendre. La situation est critique. Le gouvernement russe nie en bloc, mais celui-ci l'a bel et bien été lancé depuis la Russie. Que Ravensrock soit ou non responsable du lancement, une chose est sûre. Ils appellent en coulisses au renversement du président Volodin. Leur plan commence à prendre forme et ça n'a rien de rassurant. Nous ne sommes pas en position d'intervenir dans leur lutte de sérail, mais nous ferons pour le mieux. L'analyse balistique situe le site de lancement au Daghestan, à l'est de la frontière géorgienne. Les Géorgiens ont déployé une unité des forces spéciales pour mener l'enquête, mais ils ont perdu le contact. Nous avons accepté de les aider à trouver leur escouade et des réponses à nos questions. Overlord, Hunter est en position pour infiltration. Plusieurs équipes de recherche opèrent dans la zone.
mystérieuse. En haut de cette tour. Je déploie le drone. L'ennemi avec son stroke est repéré. Tu le vois où? Là, sur le toit. Sergent Ouzadze, unité Zamtari. Sergent Ouzadze, ici Ghost Speeder. On vient vous aider. Vous êtes les Ghost? Affirmatif. Mon frère aîné a servi chez vous il y a longtemps. Il ne tarissait pas d'éloges sur vous. C'est un honneur, sergent. Quel est le statut de votre unité? Je suis le seul survivant. Et les Russes s'approchent. On vous a localisé. On arrive. À bientôt. En avant, Ghost. Il y a des interférences par ici. Overlord, c'est quoi le problème?
Inconnu Hunter, c'est peut-être le terrain. On va tenter de rectifier ça. Bien reçu. On approche du colis. Hunter terminé. Sergent, qu'est-ce qui se passe? Je suis engagé! Je pars en retraite! J'ai plusieurs ennemis au train! On arrive tout de suite! Il a soin de nous! Attaquez à vue! Un bâtiment au sud d'une cour. Premier étage. Ils essaient d'entrer. Tenez bon, on y est prêt. Plus de l'électricité. Ils m'ont eu. Contact attaqué. Thank you.
camouflage. Moyen de corriger ça d'ici? Non, c'est à cause de cet endroit. Hé, hey, là, à 9h! Hé, hey, vise par là. Les Géorgiens? On dirait bien. Pas moyen de les trimballer ailleurs. Relevez la position. On s'arrangera pour qu'on retrouve leur corps. J'active le camouflage. Derrière! Leader, mobile! À gauche, attention! C'est bon, zone nettoyée. Deux autres visuels. Sur ta gauche. On a réinitialisé le cryptage de la Crosscom. Pas de problème de sécurité, mis à part les interférences. Vous avez pu scanner ce qui nous attend? L'ennemi a établi un périmètre autour de l'église avec des patrouilles de sécurité. À mon avis, ils vont interroger le VIP avant de le tuer. Vous arrivez quand? Avant qu'il le tue. Compris. En avant, Ghost. Et un de plus, avec un fusil à bande. À 3h. Près
de la voiture. Recherche-moi. Mes amis, vous tombez à pic. Overlord, Hunter a récupéré le colis. On l'explique. Reçu, Hunter. Les Géorgiens vous envoient un hélico. Finissons.
Contact. Un noir.
rebelote. Concentrez-vous. On a déjà survécu sans gadget, on peut le refaire. Hunter est au point d'extraction. Où est le taxi? Les Géorgiens envoient un hélico vous exfiltrer. Tenez bon. Bien su. Faites vite. En formation sur le sergent. Allez. Avec toute cette brume. On va l'aider un peu. Je les ai détresse. Hunter, attention. Plusieurs équipes de recherche convergent sur votre position. Lance-roquette, faites gaffe! Mais...
civilisation. On s'apprête à évacuer l'ambassade de Moscou. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un coup d'état, à ce qui paraît. J'en sais pas plus. On aura au moins le temps de grailler? Compte pas trop là-dessus, Kozak. Je sais que la situation a mal tourné au Daghestan. Si ça ne tenait qu'à moi, je ne vous aurais pas réexpédié aussitôt au combat. Ravensrock s'est déclaré au grand jour. Ils ont sûrement planifié leur coup pendant des années. Aujourd'hui, ils contrôlent le Kremlin, et avec lui, tout le pays. Nous avons identifié deux acteurs majeurs. Le premier est le général Bukharov, le bras armé du coup d'État. Le deuxième n'est autre que le président Sergueï Makhmudov. Ravensrock a réussi à imposer sa mainmise en un temps record. La résistance s'organise, mais elle manque cruellement de carburant. À nous de leur donner un petit coup de pouce. Les troupes du général Bukharov ont arraisonné et saboté des navires de forage en mer du Nord. Votre escouade sera déployée pour sécuriser ces installations.